et de la flamme del Canigó. La Catalogne naît au IXe siècle d'un comté carolingien placé sous l'autorité de Guifré en Palaut, seigneur de Ria, qui fonde la dynastie des comtes de Barcelone, futur comte-roi de Catalogne et d'Aragon. La puissance catalane connaîtra son apogée avec la conquête des îles Baléares, du País Valencia, de la Sardaigne et de la Corse, imposant une nette domination sur la Méditerranée. L'éphémère royaume de Majorque, dont Perpignan fut la capitale continentale, sera le fleuron de cette thalassocratie. Pourtant, en 1258, le traité de Corbeil sonnait le glas du vieux rêve expansionniste des Catalans en Languedoc en faisant des Corbières la frontière avec la France. Au début du XVe siècle, à la mort de Martin Ier, le pays se trouve tout entier livré à la Castille. En 1460, Louis XI occupe une première fois le Roussillon et la Cerdagne. Et c'est le 7 septembre 1659, sous les signatures de Louis XIV, roi de France, et Philippe IV, roi d'Espagne, que ces comtés nord-catalans sont définitivement annexés à la France au terme du traité des Pyrénées. La Catalogne est alors coupée en deux. El Canigó és una magnòlia immensa que en un rebroc del Pirineu es va. Per abelles té fades que la volten, per papallons, els cignes i les altres. Formes un calze escarides cerres que plateja l'hivern i l'estiu d'aura. Grandiós veïre on veu l'os l'estrella. Els aires ratllen tot, els núvols aigua. Dans ce poème, Jacinthe Verdaguer décrit le Canigou comme une immense fleur de magnolia. Dominant par son imposante beauté les Pyrénées méditerranéennes, le Canigou a toujours uni les deux Catalognes en étendant ses flancs du nord vers le sud. Sa majesté et son histoire en font la montagne sacrée de tous les Catalans. Sa force vient de ses mines de fer souterraines, sa douceur de son pastoralisme, de sa flore et de ses sources. Les abbayes de Serrabuna, d'Arles de Tech, de San Martín et de San Miquel de Puig se sont placées sous sa protection sacrée. Et ses grenats, pierres précieuses trouvées sur ses cimes, montées par les joailliers perpignanais, sur des badines, des bagues, des boucles, toute la richesse des bijoux catalans aux couleurs de sang et d'or. Thank you.
passe-t-il en Catalogne vers la moitié du siècle dernier? Au sud, c'est la grande nuit du franquisme qui éteint les acquis de cette région autonome. La Catalogne Nord, en quête pour retrouver sa culture et sa langue, devient un sanctuaire et une poche de résistance intellectuelle et démocratique pour les Catalans du Sud. C'est dans ce contexte que quelques passionnés, avec à leur tête François Pujade, un Arlésien, décident de redonner au Canigou sa dimension de montagne sacrée de tous les Catalans en allumant un grand feu à son sommet le 23 juin 1955. La grande fête de la lumière devient alors l'occasion d'un partage affiché de la flamme des deux côtés de la frontière. Mais ce grand feu, destiné à être vu à des kilomètres à la ronde, sera soumis aux caprices des nuages. C'est alors qu'en 1963, Jean Iglesias, président du Cercle des Jeunes, eut l'idée de descendre le feu du pic du Canigou, par relais de coureurs, jusque dans la plaine, de le distribuer dans les villages et d'allumer le roi à feu au centre de la Fédération des Perpignan, dont Saint-Jean-Baptiste et le bateau. Cette nuit catalane prend alors une nouvelle dimension. La tradition de la flamme du Canigou est née. Thank you.
cette petite flamme, veillée amoureusement au plus intime de notre Castillet, va soudainement prendre une dimension incroyable grâce au caniveau qui va l'accueillir pour la régénérer et la faire grandir. Elle va se multiplier et se transmettre pour allumer des milliers de feux dans toute la Catalogne et plus loin, en Europe. Dans ce geste de partage, dans cette chaîne humaine qui n'aura de cesse de veiller à la vie de cette flamme qui n'éteint pas le temps, il y aura toujours le même message. Message universel de fraternité, de paix et d'amour. Témoignage de la fidélité d'un peuple à ses traditions, pendant la Trovada, des centaines de randonneurs se retrouvent en fin de semaine au Cortaleta ou autour de l'Estany. L'ambiance est unique et la nuit très animée. On chante, on rit, on se rencontre, on écoute des histoires. Le partage règne en maître au pied du pic rond. Tout cela prépare la montée au sommet de centaines de petits fagots de sarments provenant de toutes les villes et villages de Catalogne, d'où naîtra la nouvelle flamme, le fagot. C'est l'identité du village qui l'a confectionné. Chacun aura pris le soin d'y dissimuler un message, une poésie, un vœu. La pensée qu'il aimera sentir s'envoler vers le ciel étoilé de la Saint-Jean lorsque tous ces fagots ne formeront qu'un même feu. Commence à vivre. Nos trois montagnards ont renouvelé la cérémonie de prise de la flamme, ici même, au Castillet, en présence des autorités. Un véritable arc-en-ciel d'amour, un pont éclatant de couleurs s'établit alors entre le Castillet et le Canigou. La longue chaîne de l'amitié composée de mille feux dont nous sommes les maillons se déploie. La grande fête de la lumière commence.
participants à la régénération montent vers le sommet des canigous dans une lente méditation. Chacun est accompagné d'une lampe pour recueillir à minuit la précieuse flamme. Le soleil décline et semble tomber dans les lampes encore éteintes, comme si déjà l'astre de feu voulait les allumer. Ils sont venus du sud, du nord, de toute cette Catalogne unie, de Provence, d'Italie, de Suisse et de plus loin encore. À minuit, c'est le grand moment solennel, unique et privilégié. L'ancienne flamme montée du Castillet va être régénérée avec les fagots de l'année. Un par un, les participants vont venir allumer leur lampe, leur torche à cette nouvelle flamme. Et lentement, toutes les lucioles s'animent au partage du feu sacré. Puis, dans un chemin de lumière, chacun va repartir vers sa ville, vers son village. Ces trois montagnards qui sont avec nous ce soir ont veillé la nouvelle flamme toute la nuit au sommet pour doucement laisser les étoiles du ciel catalan apporter leur message de lumière à cette petite flamme qui n'a cessé de grandir jusqu'à nous. Des centaines de feux qui réchauffent le cœur de milliers de gens. Les étoiles, le canigou et la flamme sont la synthèse sacrée d'un jour, la trilogie magique, le vecteur culturel fort en direction de notre société. Cette tradition que nous vivons ensemble ce soir est un bouquet d'espoir et d'amour offert à toute la Catalogne et au reste du monde. En ce moment précis, au sommet de notre canigou, d'autres montagnards vont embraser simultanément tous les fagots montés le jour de la troubade dans un immense feu. Le roi des feux, phare de la Catalogne depuis 1955. C'est le signal. La merveilleuse nuit de la Saint-Jean peut commencer.
frontière, de la plaie de Guifré al Palut, d'où sut fleurir notre drapeau, un pays nouveau, transfrontalier, européen et méditerranéen, est en train de renaître. Perpignan retrouve son ambition de deuxième capitale catalane, avec la future ouverture du théâtre de l'archipel, le formidable défi du Grenelle 2015 qu'il impose comme première ville éco-citoyenne à énergie positive. Et surtout, l'arrivée du TGV, formidable voie rapide d'échange de vie et de culture. Tout cela fait de Perpignan la Fidélissime une grande ville qui allie charme, patrimoine, tradition et équipement moderne. Però, no oblidem que aquest passat dijous 10 de juny els regidors de la ciutat van aprovar per unanimitat la Carta Municipal pel Català, que reconeix oficialment el català com a llengua històrica de la vila. Respectueuse de son histoire, plus que jamais, Perpignan peut s'enorgueillir de son vocable de Fidélissime Ville. Perpignan, moi, c'était dans les yeux. Bisque la flamme de Canon. Bisque Catalogne.